Hello tout le monde, c'est Tuto Pratique. Alors dans ce nouveau tutoriel, je vais vous montrer comment regarder des vidéos en HD sans bugger, tranquillement, c'est-à-dire voilà. Donc alors en premier, je vais juste hop désactiver mon extension. Je vais même le supprimer hein, pour mieux vous montrer. Voilà. Alors on va aller sur Chrome Web Store. Donc là. On va attendre. Hop, voilà. Voilà, patienter. Quand on est là, ici, vous allez écrire ceci. Alors non, je vais tout vous mettre dans la description, donc vous n'avez pas de soucis à vous faire. Donc vous mettez entrée. Et il faut patienter. Ensuite, quand vous êtes là, alors attention, faut cliquer sur extension. Faut pas rester sur application. Donc, extension. Et comme je vous le dis et que je vous répète, je vous le mettrai dans la description. Quand vous êtes là, vous cliquez sur ajouter à Chrome. Ça là, le premier. Vous êtes sur ajouter à Chrome. Voilà, donc quand vous faites ajouter à Chrome, vous cliquez là sur ajouter. Et voilà, l'extension HTML vidéo for YouTube a été ajoutée à Google Chrome. Vous allez sur YouTube, vous prenez une vidéo qui est sans doute en HD. Moi, je vais prendre Liam et Britney Spears, la nouvelle qu'ils ont faite. Enfin, après, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Donc, c'est cette vidéo ici. On va la regarder sans la chose que je viens de mettre et avec. Vous allez voir la différence, en petit ou en grand. Alors là. Déjà, ça prend du temps pour se mettre. Là, c'est avec YouTube. Là, c'est avec YouTube. Donc là, je vais mettre en plus grand. Voilà. Ensuite, là, ici, je vais mettre en 1080. Et là, je vais mettre un play. Déjà, il faut attendre. Voilà. Tac, 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 tac. Alors, voyez comment ça fait. Voyez, ça fait des coupures. Ça fait des coupures. Voilà, ça fait des coupures. Et puis, c'est très désagréable parce qu'il y a le son, ça bug, etc. Donc là, c'est avec YouTube. Maintenant, on va... Alors oui, donc maintenant, je vais le faire avec ce qu'on vient de mettre. Mais même avec ce que je viens de mettre, ça peut bugger parce qu'en fait, je fais un tuto, donc ça bug toujours un peu. Donc voilà. Et il est ici. Vous cliquez dessus. Vous mettez 1080, MP4 ou web, hein, c'est la même chose. Moi, je vais mettre un MP4. C'est exactement la même chose. Vous cliquez dessus. Donc 1080. Ensuite, donc là, c'est fait. Donc, vous voyez, déjà, là, l'interface a un petit peu changé. Donc, hop, je vais mettre en grand. Et là, voilà. Donc, maintenant, je vais mettre play. Le son. Voilà, vous voyez. C'est vraiment très rapide. Vous voyez, c'est très rapide. Et voilà, donc vous, ce sera encore plus rapide parce que moi, je fais un tuto, comme je répète. Donc voilà. Donc, on va dire que, bah, que c'était tout pour ce tutoriel. Alors, pour Firefox, ce que vous essayez de faire, vous faites la même chose. Vous essayez d'aller dans les extensions de Firefox. Vous notez ça, ça là, ceci. Je vais vous le mettre dans la description, comme ça, pour Firefox, vous aurez juste à faire copier-coller. Bon, il veut pas. Alors, je vais aller là. Non, je vais aller dans mes extensions, ce sera plus simple. Hop, outils, extensions. Voilà, il est là. Je vais faire, tac. Copier. Je vais vous le mettre dans la description, donc c'est ça. Je vous le mets dans la description. Comme ça, pour Firefox, normalement, vous pouvez. Vous allez sur Google, vous mettez extension Firefox. Vous prenez le lien, vous y écrit firefox.com, des trucs comme ça. Et vous copiez-collez ça dans la recherche. Et normalement, ça le trouve et vous l'ajoutez. Puis c'est la même chose.
Voilà, donc c'était tout pour ce tutoriel et j'espère que donc ce tuto a été pratique pour vous. Et voilà, donc je vous dis à plus tard sur un prochain tutoriel. Abonnez-vous à ma chaîne, likez cette vidéo et mettez des commentaires si vous avez compris ou pas compris. Voilà, merci, au revoir.